une exposition, c'est une première. C'est une première, c'est des vélos qui n'ont jamais sorti. Qui était à l'entrepôt de l'usine anciennement Procyc, qui est maintenant Rocky Mountain, qui est une collection privée de mon père, de Raymond Dutille, qui fait des années qui ramasse puis qui achète au fil des ans. Puis c'était un rêve qu'on avait de commencer à les restaurer puis les sortir. On avait déjà qui étaient bien restaurés, mais qui étaient dans des boîtes. Fait que c'est des vélos d'avant-guerre, 1882 à 1907. Des vélos qui sont rares. On a un Pounette là, qui est comme une espèce de tandem, mais côte à côte, qui était fait pour. Qui était très populaire chez les jeunes couples parce qu'ils pouvaient sortir sans leur chaperon. On a des tricycles qui sont très rares aussi, vieux tricycles d'une centaine d'années, mais avec toute la logistique, la mécanique est assez exceptionnelle. Des grands billes, il s'en est fait un peu plus, mais ils sont très difficiles à chauffer maintenant. On ne pourrait plus faire ça. Fait que oui, il y a des pièces quand même un peu plus rares que d'autres. Mais en fait, l'invention du tricycle a amené, sur le tricycle, ils ont des différentiels, il y a un frein à tambour, il y a des pièces ou la mécanique qui a servi à l'invention de l'automobile, fait que c'est intéressant. Mais c'est aussi, c'est pas juste des amateurs de vélo, c'est de l'histoire. Parce que tous les vélos, l'avènement du vélo, de la bicyclette, au début, tu avais les grands billes, les grandes roues, c'était plus les hommes qui étaient là-dessus. Mais après ça, une fois qu'ils ont fait les deux roues puis c'était plus accessible, bien, les femmes ont commencé à l'utiliser. Ça a été ça l'a aidé à l'émancipation de la femme. Les vêtements de la femme ont changé, les curés n'étaient pas d'accord avec ça. Fait que, il y a beaucoup d'histoires avec les vélos, là. C'est super intéressant. La famille royale l'utilisait, ça s'appelle le salvo royal. C'est les genres de tricycles qu'ils avaient à la famille royale parce que ça coûtait très très cher aussi à cette époque-là. Un vélo, c'était un salaire d'une année. On sait que la famille royale avait ce genre de tricycle-là pour eux, puis ils voulaient garder ça très prestigieux, le tricycle. Fait que, tu sais, il y avait des clubs select pour garder le tricycle select, justement. Ben, ils ont toute une histoire, parce que quand on fouille, c'est super intéressant. T'sais, ils ont tout un truc, l'avènement du pneumatique, le tricycle avec toutes ces affaires, le Pounette qui est un peu spécial à cause qu'il est un tandem côte à côte, on n'en voit pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup celui qui est derrière vous, qui est le Rex, qui est un trois roues aligné, mais qui est aussi très bien restauré. Puis c'est un 1898-90, quelque chose comme ça. Fait que il y a plus que 100 ans. C'est intéressant. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des rimes en bois. La selle est en cuir bien préservée. Fait que c'est un coup de cœur. c'est juste bien, vous passez, puis vous allez pouvoir lire les descriptions sur de chaque vélo. Chaque vélo aura une description, puis un peu d'historique, puis on a l'histoire du vélo qui va être installée aussi. Fait que c'est agréable. Puis une journée de pluie ou une journée ensoleillée, vous passez au Centre Marie-Philibert.